Eh bien, salut tout le monde, c'est Faronium, on se retrouve pour l'épisode 20... 24 de Dark Souls. Prépare Today Edition sur PC. Excusez-moi, je regarde vite fait si j'ai pas reçu de message sur mon téléphone. Non, j'en ai pas. Donc on est toujours en compagnie de Leroy Paladin qui est un PNJ, donc du coup il pourra pas vous parler. Voilà. Et oh, je peux pas poser ma marque, comme c'est dommage. Dommage, enfin quoi que vous allez voir ce qu'on va affronter là en bas, c'est de la rigolade, c'est drôle. Allez, c'est parti. Au passage, j'espère que vous allez bien. Putain, faut que j'arrête de parler trop vite, sérieux, c'est pas grave. Et voilà, nous sommes contre le boss qui s'appelle Virevent. Attention, il fait très peur, il est très dangereux. Et surtout, si j'arrive à toucher le bon. Et surtout le truc, il a pas de vie. Voilà, bon. Bon, ça va le... Hein ? Oh, attention, il est là. Voilà, oh, vous avez vu les dégâts qu'il lui enlève à deux mains. Voilà. Le boss a été vaincu. Bon. Bah c'est génial. Rite d'embrasement embrasé au-delà de la limite normale. Et ça c'est plutôt cool. Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, le maximum c'est 10. Maintenant on peut monter jusqu'à 15. Voilà, c'est tout. J'ai eu la masque de la mer, je sais plus ce qu'il fait. Qu'est-ce que le masque de la mer fait déjà? Voyons voir. Masque de la mer. Ce masque appartenant à la gentille mer augmente légèrement les PV. Ouais, non merci. Je préfère ma grosse armure. Et notre ami le roi, oui. Le roi, oui. Voilà. Et reparti d'où il venait, vu qu'on a vaincu le boss de la zone. Bon. Du coup, nous, on va voir si on peut pas poser notre marque. Poser notre marque aussi, ce serait pas mal. Non. Non, je peux pas. C'est bien dommage. Enfin, si on peut revenir en arrière. Donc en fait on retombe dans la grande vallée qu'on était tout à l'heure. Et là surtout, grâce à la lanterne, hein, si vous l'avez, n'oubliez pas de vous en occuper à la place du bouclier. Comme ça vous savez où vous marchez. Donc c'est cette zone, la fameuse zone où je disais qu'on voyait vraiment rien du tout comparé à celle où on était tout à l'heure. Donc les catacombes. Là, je ne sais pas si ça va. Voilà, le tombeau des géants. Normalement, voilà, il y a un gros ennemi là. Coucou, ça va. Bon, ils sont beaucoup plus solides que les anciens. Hein. On y va tout doucement, je sais pas si elle est vite derrière moi. Voilà. Du coup, non, il n'y avait pas la vie derrière moi. Ok. Bon, j'aurais pu reculer. Faites très attention, hein. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Ah, qu'est-ce que c'est pratique d'avoir ça, sérieusement. Là. Ça c'est un truc où faut se laisser tomber, non? Non, je vais pas prendre le risque d'y aller maintenant. Attention, là, on ne fait plus marche arrière, hein, du coup. Ah bah attendez, je peux mettre ma marque d'invoque.
Voilà, on va mettre Marc d'Invoque. Ah oui, qui dit géant dit flèche géante aussi. Hein. Eh mais c'est bon, t'as fini là? D'accord. Voilà, hop là, attention. Parce que là c'est le vide, voilà. Donc on voit la fameuse zone du chaos, je crois, là où en fait on a fait sonner la deuxième cloche. Je sais pas si vous vous en souvenez. Hop là, bon, on récupère une croix d'âme. Et c'est qu'est-ce qu'il y a du vide là? Bon bah on descend encore. Hop là. Aïe. Et merde. Là si je meurs pas, sérieux. J'ai eu très très chaud. Là, je crois que c'est la suite. Et il me reste déjà que 3... fioles d'estus, ça risque d'être un peu chaud. Je crois que j'ai des voilà. On vient de voir la grosse flèche passer. Bon bah allons-y hein. Oh bah il est déjà mort. Ah bah oui, c'était un des... C'était... Un de tout à l'heure là. Donc là on peut descendre. Voilà, on descend. Faites attention au vide comme toujours. Et là, ah, un feu. Ça fait plaisir. Du coup bah tiens, on va déplacer notre marque ici. Voilà. Là on va se diriger par là. Quoique attendez, non, on va aller embraser le feu. Qu'on peut embraser encore une fois, voilà. Du coup, on arrive à 15 fioles d'estus, et ça, c'est vraiment cool. Je crois qu'embraser, oh, on peut jusqu'avant. Oh, c'est énorme. Ok, génial. Bon, bah voilà, on est paré pour cette zone qui est complètement horrible. C'est pas grave. Alors là, la probabilité qu'on se fasse envahir ici est vraiment... est quand même pas énorme quoi. Ok, donc le méchant squelette il est en haut. Et eh ben voilà, je suis mort. Est-ce que... Ah ouais, non, mais je vais pas pouvoir... Attendez. Voilà.
bon, pas grave. N'empêche qu'on va reposer notre marque là. Et du coup, il va falloir que j'ai récupéré tout ce que j'ai, parce que c'est hors de question que je laisse... ça là-bas. Je sais même plus à combien de morts je suis. Je dois avoir ça au montage. Mais attendez là. Non, je peux pas. Je peux pas monter ici pour voir. Et voilà. On l'a eu. Mais on est mort. Encore une fois. Comme c'est galère. Et je pense que vous me connaissez. Je lâche difficilement l'affaire. Parce que quand je veux faire quelque chose, je le fais. Quitte à me torturer moralement. Mais je le fais. Voilà. Toi, je t'emmerde là-bas, celui que je peux pas tuer. Donc là, cette échelle est très longue. Très très longue. Et tiens, salut. D'accord, j'aime pas les yeux qui brillent comme ça là. Heureusement qu'on a 20 fioles quoi. C'est vraiment énorme. Quand je pense à ce que j'ai envie de faire là tout à l'heure. C'est limite du suicide. D'accord. Là normalement. Si je me laisse tomber. Si je me laisse tomber, je devrais survivre. Voilà, nickel. Du coup, on va remonter. Donc voilà, en fait, cet épisode sera consacré au... la tombe des géants, ou je sais plus quoi, le tombeau des géants, voilà. C'est ça. Et c'est vraiment une zone stressante. Pour moi, c'est la zone la plus stressante du jeu. Presque au même niveau que le hameau du crépuscule. Hein. Voilà. L'œil de la mort. L'œil de la moitié. Voilà. Putain, c'est bizarre, j'ai l'impression que ma barre de vie elle a baissé. C'est... me demandez pas pourquoi. Hop. On va monter par là. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Et là on se retrouve donc au-dessus
Ok, à la sortie du truc, mais non merci, je vais pas passer par là, sinon je vais devoir tout refaire. On va plutôt faire demi-tour. Voilà, faisons demi-tour. Hop. Hop. Et là, j'ai envie de dire, allons mourir. D'accord? Je me prépare mentalement. Je me prépare mentalement. Regardez. Attendez, il y en a combien là? Il y en a 3. Non, 9 et 4. Voilà. Bon, bah ça c'est fait. On a récupéré ce que je voulais récupérer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va retenter d'y aller pour récupérer nos âmes. Là c'est en mode rush, hein. Mon compteur de mort je m'en bats les couilles. J'ai récupéré mes âmes. Et puis c'est tout. Tiens, pour être marrant. Oh comment j'ai esquivé cette flèche? Ok. Voilà, on se rapproche. On se rapproche de la sortie. C'est plutôt pas mal. Et même avec un peu de chance, le jeu va considérer que j'étais pas loin. Et du coup, va remettre mes âmes. Vraiment, le principal, c'est que je récupère mes âmes. Enfin, mon truc vert là, et que je me rapproche de la sortie. J'espère quand même qu'ils vont me laisser le temps de monter les marches. Du coup, ok, c'est là-bas. Allez, 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 allez. C'est bon, allez, Tayo. Je vous aime pas. Je vous ai vaincu, bande de putes. Voilà, on a récupéré toutes les objets ici. Hop là, on va se reposer au feu vite fait. Phew. Tiens, j'ai eu un bruit, me demandez pas ce que c'était. Hein? Je ne sais pas. Vous voyez la hauteur du feu, quoi. Ah, c'est génial! Oh, je peux monter d'un level. Cool. Qu'est-ce qu'on va monter? La dex, tiens, j'en ai besoin. Bon, ok. Voilà. Et du coup, est-ce que ça me permet de pouvoir utiliser l'arme de Quillag qu'on avait forgée? Cool, on peut. Regardez. Ok, bon bah voilà. La suite, continuons dans le truc des machins là. Hein? Parlons à ce personnage. Good day. You look reasonably sane. What are you doing in the catacombs? Are you a cleric or something? Non. No? Really? Then I'd have no qualms telling you. There's a fine stash of treasure right down that hole. I found it first, but well, we're friends now. So I'll split it with you. In any case, have a look. It'll shimmer you blind.
Voilà, ils ont toujours leur manie de rigoler bizarrement. Bon, du coup, ce qu'on va faire, bah, si on va quand même le faire, voilà, vous allez voir, ça va être drôle. Je suis pressé de remonter pour t'éclater la tronche avec ma masse. Tu vois. Hop, on récupère une âme. Une lanterne crâne, si jamais vous l'avez pas drop. Sur les ennemis, moi j'ai eu la chance qu'il m'en drop un. On va aller récupérer ce qu'il y a là. Normalement un nouveau type d'ennemis qui sont des tours. Voilà, c'est un peu bizarre comme ennemi hein. Et je crois qu'ils ont une chance sur je ne sais pas combien de drop un éclat titanite blanc. Donc là, c'est là où nous sommes tombés. Ah oui, d'ailleurs, en allant par là. Voilà. Vous voyez la fille, c'était la fille qui était au sanctuaire de Lickfeu avec ses amis. Presque. Les tuer, non, il n'y a pas grand chose. Hein. Bon, du coup, on va y aller. Et tiens, voilà. Aïe, par contre, ouais. Je vais prendre mon bouclier. Ah non. Tiens, tenez, on va essayer. Rapide. Voilà. Ils m'auront quand même bien baissé ma vie, hein. Hop, voilà, donc vous voyez à peu près ce que donne le... Bah, l'épée de Kulag. On va retourner la voir et lui parler. You banished those two hollows, did you? It pains me to think of the trouble my failings have caused. I am certain that both Vince and Nico are grateful to you. Thank you so very much. Here, these belonged to them. You deserve them more than I. Miracle restauration. Et ça, c'est vraiment cool. Et ça, c'est bien un truc que je compte utiliser. Oui, je compte utiliser ça. Et pour ça, il me faut un talisman. Et je crois qu'il me faut un peu de points en foi. Je vais vous faire voir ce que ça fait. Hein. Mince. C'est... Là, on va aller voir dans le sac, carrément. Voilà. Restauration, miracle connu parmi les chevaliers clairs, rend grand duellement des PV. Il faut être prudent face à un chevalier clair baigné par la restauration car il sera difficile à vaincre. Blablabla. Bla bla.
J'ai besoin de 16 en foie. Et moi en foie, j'ai 11. C'est pas maintenant que je pourrais l'utiliser, hein. Mais dans un futur proche. Donc avant la fin du jeu, j'essaierai. Enfin bref. Voilà, bon bah je les one shot comme ça. En fait attention, ils sont assez dangereux quand ils sont plusieurs. Moi j'ai pas eu de chance, ils m'ont pas drop de... Mince. De Titanic blanche. Voilà. Je crois que c'est ça qui drop. Oh et du coup on revient là. Ah ouais, c'était un passage qui était coincé. Bon, on va dire qu'il y a eu un éboulement et que ça s'est décoincé, hein. Voilà. Du coup, on va pouvoir aller reparler à notre ami Tiens d'ailleurs. Voilà. Attendez. Profondeur, paroisse, monde d'Aramis, chambre de la princesse. Je crois qu'on peut se téléporter ici. Mais je vais pas prendre le risque. Parce que si jamais je me foire, je vais devoir tout me retaper. Donc il y a toujours ma marque d'invoc. Well, let's just calm down. Talk about things. I did you wrong, but I didn't mean it. These temptations, they can, well, overcome me. You know what I mean, don't you? Please, forgive me. You and me, we're jolly undead outcasts, aren't we? No. For heaven's sake, let's not mope about, eh? You're still alive? I said I'm sorry. Wait, I know. Here, take this. It proves something, doesn't it? J'aime pas comment tu rigoles, mon pote. Tu vas mourir. Hein? Tu vas mourir. J'essaie de pas retomber une deuxième fois, ça serait quoi? Enfin bref. Alright. If that's the way it is, ouais. You silly little bastard. Well, I've had enough of you. Left good for nothing. Wallow in your spit. Bon, d'accord. Donc vous voyez là, une arme occulte aurait bien été utile. Mais bon. Et puis de toute façon, t'es un mort-vivant, donc tu mourras, tu réapparaîtras. Hein. Et tu pourras continuer à faire chier les gens. Voilà. Voilà. T'avais pas comme faire chier en m'envoyant là-dedans. On va retourner au feu, je vais redevenir humain, comme ça si jamais je peux invoquer quelqu'un. Non mince, j'ai dit redevenir humain. Non. Redevenir humain. J'appuie trop vite. Redevenir humain, ouais. Cool. Ah, parce que en fait on approche du boss Nito, hein. On approche tout doucement. Et écoutez, ben moi je vous propose de mettre fin à l'épisode maintenant, parce que je pense que ça fait un peu longtemps que ça dure, enfin à peu près, hein. J'espère qu'il vous aura plu et moi je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode où on ira sûrement soit j'aurai le temps d'aller vaincre Nito, ou alors on s'arrêtera devant devant le boss, voilà. Et donc, je vous dis salut, voilà. A plus tout le monde.